Et salut tout le monde, c'est Lily. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Dragon Quest. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va comme d'habitude. Aujourd'hui, on va savoir la suite des aventures de sa sœur. Bon, du coup, ce n'est pas sa sœur, je pense. Je pense que c'est le morceau de sol qu'elle a dû laisser dorer quand elle s'est transformée. Donc, ce n'est pas la mouette non plus. It was all my fault. After what happened, I ran away. I wanted to leave this place. Enfin, c'est bizarre de s'enfuir à ce moment-là, quand même. I asked around about the necklace on my travels and finally found out what it was. I'd given my sister a cursed I wanted to forget who I was and what I'd done. So I threw myself into any adventure that came along, and before I knew it, I was living as a thief. That's when I met him. The guy who called himself the Seer. Parce que du coup, ta sœur, ça se trouve, elle est vivante, on est au courant de rien après. He told me to go after the orb. That if I did, I'd meet the luminary somewhere deep underground. And that if I helped him, I'd finally be forgiven. At first, I didn't believe a word of it. Kind of circles I was moving in, you learn pretty quickly not to trust anyone but yourself. But sure enough, I went after the orb. I wound up underground, and your memory, laddie, it's back. It is. Thanks to you guys. Guess I've been kind of a pain these last few days, huh? I'll make it up to you, I promise. Who knows if I'll ever find the forgiveness the Seer promised me. But everything else he said came true. Maybe that will too. You saw it, right? The statue my sister turned into was right here. If this Gilddigger guy is collecting all the gold he can get his hands on, maybe he took her too. I heard those golden goons saying he's holed up in a castle north of here. Ah bah, ils voient de loin le château. Get me back if it's the last thing I do. Then it looks like we're all headed the same way. After all, we've got some Sniffleheimers to rescue, right? C'est vrai, on avait presque oublié ça, tiens. Thanks again, you guys. It's good to be back. Ouais, mais tu seras pas dans l'équipe quand même. Ça va jusque là, quoi. Oh, au moins, c'est bien fait. Du coup, allons jusqu'au château qu'on avait aperçu la dernière fois. T'as une cinématique juste pour ça, accompagnée d'un chargement. Chargement qui fait genre d'aller vite et qui ralentit après. Bon, j'imagine que tout est en or ici. Non, mais il y a combien de portes? Ah. Bon, bah au moins... Au moins, là, c'est réglé pour l'instant. Oh, c'est tentant parce que je me demande si ça rapporte de l'XP. Je suis curieuse, je veux voir. Testons. Bon, en tout cas, c'est pas très résistant. Ouais. Je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez, il vient de prendre un niveau, Hendrik. Regardez combien de points d'XP il faut pour un niveau. Du coup, 66 000 et quelques. On est bon.
J'adore. Bon, du coup, les portes, on pouvait y accéder par là. Sérieusement? Ah, je peux pas jouer. J'allais dire, c'est bizarre comme endroit. Ah. Non, c'est pas par là. Oh, ça va être relou, ça. Je le sens. C'est un vrai coffre. Ouais. C'est une blague. Mais il est chiant, cet endroit. Putain, comment il me court après? Bon, là, il y avait ça. Ouais, enfin, à un moment, j'ai fait toutes les portes, en fait, non? Donc, il est où le problème? Hop, 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 on se casse. Voilà. On vole des jetons de casino, on est comme ça. De toute façon, c'est pas l'or qui manque ici, hein. Je l'entends me courir après, j'aime pas. Laisse-moi observer avant. Eh, mais c'est la dame de du village. Ça les a amusés de faire un système comme ça où la porte était fermée à chaque fois de l'autre côté. Le coffre. Vous avez pas le droit de faire ça. Là, je peux me battre contre des machines de casino. Oust. Je sais pas trop où je vais à force. C'est le début après là. C'est juste que je m'amuse à déverrouiller les portes quoi. Je ne fais que passer bonjour. Ah, j'étais allé là en premier, mais bon, on va aller là. Ah non, c'était fermé là, je crois. C'est pas du tout chiant. Voilà le cul-de-sac, ça m'intéresse, un cul-de-sac. Non, pas le temps de lire là. Ah mais on s'en fout du coup aussi. Je sais plus, je refais les mêmes trucs en fait, ça me perturbe.
Là, j'ai pas ouvert, c'est fermé, non? Non, c'est bon. Ok, j'ai déverrouillé les portes, c'est bien. Mais ça m'importe quoi d'avoir déverrouillé ces portes? Je dois aller où, là? J'ai peur de quitter la carte. J'entendais quelque chose me courir après, j'étais pas rassurée. Mais dégage! Bon, y a forcément un truc que j'ai pas fait. Mais celle-là, je sais pas du tout où je dois aller, c'est ça le problème. Mais... Il y a un escalier, je crois que j'ai pas fait. C'est... Non, j'étais passé à gauche avant, je crois. Mais reste pas coincé! Non, c'est pas là. Ouais, ça y est, je suis perdue. Ça faisait longtemps, hein. Je peux rien faire. Puis il me court après, c'est chiant. C'est là que j'avais pas encore pris l'escalier. Je crois. Bah non. Mais je dois aller où? Je dois l'affronter. Je suis censée l'affronter comment? En passant où là? J'ai fait toute la carte. Fous de moi. Il y a une zone que j'ai pas fait dans le niveau 2, très bien. Mais c'est un labyrinthe! Je peux faire au pif, vous croyez? Il y a moyen ou il y a moyen? C'est où que je suis pas allé faire complètement là? Ah ouais, mais c'est l'endroit justement que je cherche. Ils sont marrants. Donc je fais comment pour y aller? Au secours! Après peut-être... non, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais barrez-vous, ils sont chiants! Si encore je comptais les faire, ma foi. Il y a des choses que je rate ou bien, je sais pas. Bon après si c'est trop chiant, je ferai une coupure, hein, mais... Ah, on n'a pas été là, elle clignote. Elle clignote et c'est un monstre. Oh, j'ai le câble de mon casque qui me casse la tête à chaque fois à se coincer. Allez, tuez cette machine. Ce n'est qu'une machine après tout. Ouais. Bon, du coup, je n'ai pas été ici encore. J'ai pas un coffre ici? Non. Ah,
Bah, il me voit, il se barre. Oh, je pensais que ça allait être des jetons. C'est pas drôle. Ouais, plus ils ont débarrassé, mieux c'est. Hein. Non, jamais parce que t'en as 100 ici, puis là t'en as un. Oh, c'est une fausse celle-là. Ah non. Effectivement, là c'est agréablement surpris. Parce que les monstres ils me voient, mais ils se barrent. Ouais, celle-là c'est une fausse. C'était obligé. Bah, observe. Sérieusement. Ah là là. Oh. Ah ouais, dès que je peux avoir des jetons gratos, moi... D'accord. Sympa cette machine en tout cas. Ça c'est l'avantage qu'ils prennent de l'XP aussi même qu'on les a pas dans l'équipe. ⁇ 200 ? Eh ben. Rien qu'ici on aurait eu pas mal de jetons. Dommage que ça se passe pas avant la quête d'Octogonia. Ouais, je me disais, il est bizarre le sol. Mais fallait bien passer quelque part. Dans tous les cas, peu importe où je passais. Oh, mais bouge! Chiant. Ah merde, tu me cours après toi. 500 m'a dit donc. C'est faire quoi? C'est à ce qu'il récupère des PM quand même en même temps. J'ai peur de combien de points de compétence il lui faut maintenant. Enfin de 70 000, c'est bien ce que je disais. Dégage! Traverser ça maintenant. J'ai choisi le bon endroit où me casser la gueule, c'est ça? J'avais une chance sur deux. Mais vu le temps de chargement, j'imagine que oui. Ah.
Bah ça va, elle a l'air d'aller bien. Mia? Call me that again and you'll regret it. I haven't been Mia for a long time. Par contre, j'aurais pas cru que ce soit elle. Wait. You're... Yes, well done. I'm the big baddie. It was all me. Gold fever, stealing all the statues. Me, me, me. Putain, du coup, quand elle a crié à l'aide et tout, elle faisait semblant. What's the matter, dear brother? Aren't you happy to see your little sister doing so well for herself? Anyway, what are you doing out of your cage? I wasn't planning on having my men bring you here till later. You have every right to hate me, Mia. I hate myself for what I did to you. But the Vikings, the fever? Why would you do all this? Oh, questions, questions. Always with the questions. Fine. If you're so desperate to know, it all began when the World Tree fell from the sky, and the Lord of Shadows went to visit a certain lucky girl. Toujours tellement de révélations dans Dragon Quest. Ah, c'était pas maîtrisé ça donc, c'est bon. Elle a pas fait semblant jusque là. Bah dans le froid vu comment elle était habillée en même temps. Oh, pauvre oiseau. Mordigan, what did that monster do to you? Monster? He's not the one who left his sister to rot all alone in a cave. Thanks to that monster, I'm here today. Thanks to him, I have all the gold, all the power I ever wanted, and more. And for my next trick, I'm going to turn everyone in the world into golden soldiers, just like those stupid Vikings, and work them all to the bone. So you really did turn the chief and his men into your slaves. What's happened to you? You really think you deserve to know? After all you've done? I'll show you what you deserve. Ouais, pas mal. Ah,
I've thought about you every day for the last 5 years. The thought of saving you. Bah là, tu vas devoir la tuer toi-même. It's all my fault. All of this. Everything that's happened to you. Which means I have to finish this. I have to take you down. Now you decide to play the hero? You're too late. You couldn't save me, and you can't save yourself. Or your pathetic little friends. Why can't you all just leave me alone? I don't need a brother, or a hero, or anyone. You're worthless to me. But you'll be worth your weight in gold. Ça va être sympa comme combat. Se prépare mentalement. Bon, on voit pas du tout où est-ce qu'on va récupérer l'orbe, hein. Pour Riku en tout cas. Très belle statue. La vache. T'avais vraiment besoin d'appeler du renfort là, t'es sûr? C'est complètement con du coup de vouloir attaquer. Oh, Théo il a pris cher. Non, ça c'est pas ouf, hein. Elle va faire mal quand elle va attaquer là. J'ai peur. Juste pour un coup, ça fait mal quand même. Je pense que c'est la sœur d'Eric qu'on affronte. On va la réveiller avec cette attaque. Ouais, décidément. J'aime bien être une statue en or. Je porterai peut-être pas le coup final.
On est déjà à 30 minutes de vidéo, cet épisode sera plus long. Parce qu'après il y aura la cinématique, tout ça, tout ça. Ça va le faire. J'aimerais bien redevenir normal. Non, te concentre pas. J'y tiens pas vraiment. Mais elle va mourir? C'est moi ou elle est longue à mourir? En plus d'habitude quand je dis ça il meurt derrière mais là... Faut pas avoir Eric dans l'équipe quand même pour pouvoir tuer le monstre. Ah, j'allais dire. Eh, j'espère que ça rapporte en XP. Moi, ça va. Non. Fallait forcément un moment ou un autre que ça parte en tentacule, hein, ces japonais. Are you two all right? The poor wee thing's lost control of her power. If we can't stop her, gold fever's gonna spread like wildfire. I can't let that happen. This is all my fault. I'm sorry, Mia. I have to end this. Eric, help me. Ouais, bah vous savez quoi, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. Oui, je sais, c'est cruel, mais c'est comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.